s'assurer de l'absence de danger. Comme vous le constatez à l'écran, le drone effectue son travail de nettoyage. Les éléments précurseurs vont s'assurer de l'absence de danger potentiel à l'intérieur du centre culturel. Étant assuré que le bâtiment du centre culturel peut recevoir la personnalité qui bénéficie de la protection, ils vont s'assurer des deux véhicules qui ont été repérés par le drone. Nos deux éléments précurseurs viennent de nous confirmer à la radio la suspicion concernant ces deux véhicules. Les deux véhicules suspects vont maintenant faire l'objet d'une fouille par le groupe cynotechnique du RAID. Les chiens de recherche en matière explosive sont engagés dans le cadre de la sécurisation de lieux susceptibles d'accueillir de très hautes personnalités. En l'occurrence, ils assurent les déplacements du président de la République, tant sur le territoire national qu'à l'étranger. Capables de détecter une centaine de substances explosives, ils sont ainsi engagés dans la lutte contre le terrorisme. Le chien effectue son travail de recherche. Il a été orienté à l'aide d'un laser pour lui faire comprendre le véhicule qu'il devait renifler. Le chien repart sans avoir marqué. Nous pouvons donc être certains de l'absence de substances explosives à l'intérieur de ce véhicule. Le même travail va être effectué sur le second véhicule. Comme vous le voyez, le chien effectue le tour du véhicule. Vous voyez le chien qui s'assoit, pour nous le chien a marqué. C'est signe de la présence de matière explosive à l'intérieur de ce véhicule. Le chien volontairement n'aboie ni ne bouge, il reste immobile, silencieux, de manière à ne pas lui-même déclencher le système qui pourrait être